Mais ça qui est pas ça les programme est qui a non, matin là, ça va tout mieux, ça va, et puis juste Bazongi va se prononcer, va condamner. Ah non, non. Vas-y, vous faites, ouais, c'est quand même une idée. Non, non, on n'a pas besoin de la peur. Après ces quelques jours de mise en résidence surveillée à l'hôtel Invest, le secrétaire général de l'UNC, Bertrand Ewanga, a comparu encore ce jour à la Cour suprême de justice pour des accusations d'offense contre le chef de l'État et de l'incitation à la haine tribale et raciale, malgré l'exception d'inconstitutionnalité sur le plan de la forme évoquée par la partie défenderesse exigeant la composition de la Cour constitutionnelle et déclarant la Cour suprême de justice d'incompétent et la question injustifié de la flagrance. La Cour suprême de justice est restée stoïque dans sa logique de voir Ewanga condamné, ce qui a donné l'impression que cette Cour avait la position préalablement déterminée. Un comportement largement déploré par la partie défenderesse. Mais dont la composition ne nous rassurait pas qu'il s'agissait de la Cour constitutionnelle. En tout cas, je peux vous certifier qu'au regard de la Constitution et des lois de la République, ceux qui ont siégé là, c'était autre chose que la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle siège à 9 magistrats. Mais parce qu'elle n'est pas encore mise en place, l'article 90 dit que la Cour siège avec tous ses magistrats. Donc, la Cour suprême de justice ici, faisant office de Cour constitutionnelle, doit siéger avec tous ses magistrats. Les 7 magistrats qui sont venus là avaient pour fondement le chapitre de l'ordonnance loi de 1982 qui est abrogé par la nouvelle loi sur la Cour constitutionnelle. Donc, nous avons posé la question à la Cour de nous dire sur base de quelle loi il siège à cette. La Cour, au lieu de répondre à ces exceptions, par exemple la composition de la Cour, est irrégulière. Okay? La Cour suprême siégeant en tant que Cour constitutionnelle, c'est la Cour et non le juge de la Cour. Ils se sont présentés à 7. Or, le juge de la Cour suprême, ils sont à 24 ou 26. Et nos avocats ont demandé que la composition soit régulière. Elle ne l'était pas. Et heureusement d'ailleurs, le ministère public, le procureur général de la République a suivi nos avocats. Il a dit oui, cette exception-là est pertinente. Ils ne veulent pas. Donc la messe était déjà dite et ils voulaient aller au fond. On leur dit, mais vous allez aller au fond en tant que qui? Quelle est la juridiction qui doit statuer sur le dossier? C'est la Cour suprême ou c'est la Cour constitutionnelle? C'est laquelle ou c'est la Cour de cassation? Parce que vous êtes constitué irrégulièrement. Mais, oh, ces gens-là avaient déjà leur plan. Ces plans-là, nous savons, ça vient de loin. Nous sommes au courant depuis le 21 juillet que les gens sont organisés pour arrêter certains ténors de forces de changement. Mais Ewanga est fort, c'est un monsieur. Ewanga n'a jamais violé les lois de la République. Ewanga n'a jamais fait de la discrimination raciale. Et il faut m'expliquer ce que c'est que ça veut dire, la discrimination raciale. Ewanga n'a fait outrage à personne. Ewanga a parlé, il a conversé avec le public. Et il a dit pourquoi il est inopportun aujourd'hui de réviser la Constitution. Et il a étayé ses arguments avec des faits. Alors, comment voulez-vous l'arrêter? Et comment voulez-vous la Cour suprême de justice
qui siège aujourd'hui en tant que cour constitutionnelle, l'instance supérieure en matière judiciaire de ces pays. Comment on peut nous prendre au sérieux que vous expédiez des procès parce que vous devez museler les forces de changement, parce que vous devez museler les ténors de ces forces, parce que Ewanga dérange, Ewanga parle, il dit la vérité. Ewanga va s'en sortir, pourquoi ? Mandela est resté 27 ans au pouvoir, vous avez vu, moralement il n'est pas atteint, il ne sera pas atteint, il va s'en sortir, parce que le pouvoir qui est décadent, le pouvoir ici, nous allons aux élections bientôt, et c'est fini. Nous allons aux élections, nous changeons. Les institutions de la République vont être des institutions réellement démocratiques. Donc aujourd'hui, nous nous disons que ce n'est pas un problème. Ils peuvent prendre les corps et tout ça, mais nos esprits ne seront jamais pris. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Et Ewanga, Dieu a dit ce que Ewanga fera dans la vie. Il a sa mission. Sa mission est connue. Et lui, Ewanga, le connaît. Je connais ma mission que Dieu m'a donnée. Mais qui sur cette terre des hommes peut enlever ce que Dieu a mis? Que nous sommes tous alliés, nous sommes tous alliés. Il y a 12 heures, tous alliés. Il y a 14h30, il y a 16h, on a délibéré. Jusqu'à maintenant, il est 20h. Là, nous avons été. Tout va indiquer quand même. Pour moi, il y a un camion à Makala. Et Yaki, Nengi et Sali Bango Sony, commandant la Bango Lobby de camion, ils ont. Trouvanda Wati, Tango Tokoloka, du Kambouya Ingele. Oeza pour la Bissoba, la Congo, et sa Bissoma Yele. Tolingi démocratie, Totolingi Angoti. Bato Bazalaki, ya solo ya ko, Babima Namboko, le Lobazawapi. Bana Monsieur Sobozali, Bobani Bamisala, le Lol, Boebi Jean Foster Mandikala. Oui, Victor Nendaka, Oufkir. Il y a une grande personnalité à service. Avant, je vois que je ne suis pas là. Il y a un grand pouvoir au gouvernement. Ils ont aussi la Kabila le 12 décembre. Ils ont un règlement des comptes. Tout le monde est malade. Au moment où il y a un parlement, on peut dire un parlement. Député à Aléawa, il y a une immunité. Flagrance à député et mon anaté. Tovani na bureau ya Obem Ninaku, procureur général de la République, a commis à Senga lever l'immunité parlementaire ya Ewanga na 13h30 ba côté la kenanda ko na 5h du matin banda 3h ba ko boka ba mabanga na nda ko na ba fongoli porte na 6h na mois sina bana ba kobeta et puis pour vivre l'expérience ba policier bazala na Kagoul pour na kamuni Kagoul ba la tango na tango état de guerre. Parlement, on peut se dire que beaucoup de 2 minutes ou bien 1 minute. Pour l'élo, pour l'acquisition réellement, on a vu la justice pour la retombe au parce que, à le poteau, la justice élève une nation. Moi, je crois dans la phrase Wana, que la justice est pour l'acquisition l'élo, et effectivement, ils ont élevé une nation. Mais tout ce que je peux dire en tant que politicien, ça sera une honte pour la République démocratique du Congo et pour condamner les députés dans le lingue Oyo à Kenango. Au vrai sens du mot, ce que tu as dit, le texte que tu as corrigé, en tout cas, dans le sein de la bande de gros, il y a un pouvoir qui a été mis en main dans le cadre de la vie. Parce que ce qui est total, combat à la démocratie, souci à l'état de droit pour les Anamboka, c'est un exemplaire. Quand on a un essengoté, on a un peu de condamné député dans le lingue Oyo, on a un peu de. Mais ce qui est le sens, il y a un peu de côté, il y a un peu de aspect politique, parce que tu es bien. Oyo bazo loba parce que toi qui va commenter les belles mais na ko bisa bino ke injure na kati outrage pe offense exacte raison ya ko kanga pe ko luka ko sambisa ye ezali ailleurs ke na nzela mobeko e ko sala malamu mingi na souci ya unité na souci ya paix na kati ya mboka ndeko Kabila
apesa ordre na ba sujio bazaliawa et kokute yé loko moko te parce que ba tie kombo na liboso po bala bisaki ya za muto akanda te pe ba soda ba service ba militaire ba policier baza ba membre ba parti politique té ko sogi le problème za ya politique ba policier na ba militaire na ba ja ba service ba koma lokola ba membre ba parti politique té baza au service de la nation nenge biso pe baza tozali au service de la nation. Respect à l'institution, c'est la séparation du pouvoir et salema et vous allez en France, pas pour l'intérêt en moi. La bandit, vous allez en France. La justice élève la nation, mais en République démocratique du Congo, la justice semble être considérée comme un outil de représentation.